Donc mon lit, je sais pas d'où il vient, enfin c'est un lit hyper simple. Ils viennent de chez Ikea, l'été d'oreiller également. Là-haut, j'ai mis quelques photos qui viennent de chez Lalalab, du Cheers aussi sur ces photos-là. Et juste à côté de mon lit, du coup on a ma table de nuit donc avec une lampe, une bouteille d'eau. La table de nuit c'est un tabouret, mais c'est le même que celui de mon bureau. Du coup ici il y a tout ce qui est pantalon. Donc j'essaie de les ranger, enfin de les replier souvent, mais au fur et à mesure ça devient un peu le bazar. Il faut savoir j'ai rangé ma chambre nickel pour le room tour. Donc. Juste au-dessus c'est l'endroit où je mets mes bougies, donc je les mets pas tout le temps à brûler là. Je les mets où je veux pour les faire brûler. Une qui vient d'Écosse je crois. Et deux de ma jolie candle, je les adore. Toujours dans la continuité, on a mon radiateur, c'est vraiment très intéressant. Une sorte de d'étagère en marbre. Ici c'est tout ce qui est bijoux, donc là il y a bagues, boucles d'oreilles, collier, enfin je crois, enfin il y a un peu de bijoux quoi. Trois paniers, il y a une boîte où il y a... C'est des bijoux, c'est un site de bijoux. Je vous retrouve pour vous parler des bijoux Wowia qui m'ont contacté. Je voulais vous les montrer, je l'inclus dans cette vidéo. Des bijoux qui sont plaqués or, plaqués argent. Ils sont made in France et aussi il y a 50 centimes de votre commande qui est reversée à des associations comme la SPA, la Ligue contre le cancer, etc. Donc je trouve ça hyper cool. Du coup moi je vais vous montrer ceux qui m'ont envoyé boucle d'oreille là. J'en suis grave fan, ça allonge vraiment l'aube, ça habille l'oreille. Trop trop beau, donc c'est une plume en or. C'est vraiment mes préférées. Vraiment, elles sont trop 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 belles. Du coup, j'ai également reçu cette bague là. Donc, elle est trop 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 jolie. Ça fait une sorte d'anneau. Il me semble que c'est résistant à l'eau. Enfin, moi, je les enlève toujours avant de me doucher. Ce pot là, j'accroche quelques d'oreilles. Ensuite, on a un petit cactus. Je ne sais pas d'où il vient. Et dans cette trousse, tout ce qui est ustensiles à ongles, donc vernis, etc. etc. Hop, on a là. Là-bas dans le coin, on va avoir tout ce qui est sac, donc mon sac de cours, mon sac à dos. Juste à côté, c'est. Comment on appelle ça? Une petite commode de chez Maison du Monde que j'avais eu il y a très longtemps. Au-dessus, tout ce qui est bazar sur mon bureau et qui m'encombre, je le pose juste à côté, donc ici, mais quand c'est rangé, c'est mon diffuseur d'huile essentielle et un autre petit cactus. J'en ai pas mal des petits cactus, hein, mais ils sont tous morts la plupart. Donc bureau, on a ma petite fenêtre que j'aime trop trop trop. Le soir, le matin, quand il fait beau, quand il pleut, ça fait toujours une atmosphère trop trop bien. Ici on a des marqueurs que j'avais acheté à Action. Petite plante, 1€ à Ikea. Une fausse petite plante très très mignonne. Petite statue qui vient d'Afrique que ma mère m'avait ramenée. Pot à crayon. Ensuite on a mon planeur de cours, une vue d'ensemble des semaines. Comme ça j'ai une vue d'ensemble sur tous les devoirs que j'ai à faire et c'est mieux je trouve. Ensuite c'est le coin make-up. Du coup je me maquille sur mon bureau le matin, hop j'allume ça, je décale tout ça par là et puis tout ce qu'il faut c'est là, même là j'en ai beaucoup trop en fait. Rose, elle vient de chez Action, vraiment Action il y a des trucs super cool. C'est une sorte de mini, vraiment mini table. Et dessus, je pose mon miroir qui vient de chez Maison du Monde. Je l'adore. Il est vraiment hyper beau. Il est pas très très grand, mais vraiment, il est parfait. Parfait pour se maquiller, genre, c'est nickel. Cette lampe de bureau que j'aime trop, elle vient de chez Ikea. On a toutes mes photos. Donc là, je cache un peu parce que... C'est familial. Mais bon, là aussi, c'est familial. Enfin, bref. Oh, pareil, qui viennent de chez Lalalab. Sauf celle-là, c'est des. C'est des vrais, quoi. Des vraies photos à l'ancienne. On a ma plante qui est en train de mourir. Pourtant, je m'en occupe tellement bien. Donc, je l'ai appelée K. Parce que j'aimais bien. Ça faisait un peu Ikea. Enfin, K. Bref. Oh, bon, mon pied, c'est un peu. Ici, j'ai mis un tabouret en bois.
avec des petits magazines. Il faudrait que je regarde. Donc il y a ça parce que je trouve que la dame elle ressemble à ma maman. Du coup j'ai mis parce que je trouve ça hyper joli. Un magazine sur New York parce que j'ai beaucoup trop envie d'aller à New York. Et un magazine Maison du Monde pour m'inspirer, pour trouver des trucs jolis niveau déco. C'est plutôt cool. Ensuite on a mon miroir. Ici on a ok, ça c'est vraiment très très laid. On a quelques vestes et gros pulls que j'accroche ici parce que je sais pas forcément où les mettre, mais voilà, c'est toujours pratique en fait. Genre il y a aïe. En tout ça c'est des vêtements qui sont pas à moi. Et là-haut on a quelques petites boîtes. Tout le reste de mon maquillage, donc là il y a ouais, des trucs que je n'utilise pas forcément. D'autres palettes, une trousse, mon lisseur, mon steampod. Mon bureau est un site chez Maison du Monde, mais pareil c'était il y a assez longtemps que je l'ai eu. Du coup mon tabouret c'est le même que ma table de nuit. Mes tiroirs de bureau, bah, je vais pas vous les décrire. En gros là c'est mes anciens cahiers, mes cours de première ou de seconde parce que je sais qu'il faut en avoir besoin. Là c'est tout ce qui est chargeur, tout ce qui est stylo, souvenirs, enfin bref. En bas on a tout ce qui est sac à main et en dessous il me semble qu'il y a quelques trucs. Un tableau avec des craies, c'est toujours pratique. Là pareil il y a des cahiers. Et voilà pour le bureau. Oui, et ça aussi je vous montre parce que j'en suis fière. C'est moi qui l'ai installé. On passe à la dernière partie. Porte de ma chambre, portant donc 10 euros. Ikea, voilà le basique Ikea, il est hyper bien. Il est assez imposant, donc faites attention, il est assez grand, on se rend pas forcément compte. Ici on a un panier où je mets des trucs, par exemple je mets mes peluches, mes doudous et tout quand j'en ai marre, ou du linge sale. Mes trois paires de baskets, voilà. Ça c'est plutôt ce que j'accroche, c'est plutôt tout ce qui est chemise pour pas trop que ça se froisse. Ici on a un meuble à cube qui descend comme ça en escalier, ça fait hyper longtemps que je l'ai. On a ma petite lampe. Il y a toujours les fils qui dépassent, c'est assez agaçant. Une plante Ikea, un cactus tout mort et de bain, les nouvelles boules de bain de chez My Jolie Candle. Ici c'est tout ce qui est cours de terminale, donc actuellement donc mes cahiers, classeurs, feuilles, livres pour les terminales L, je pense, vous reconnaîtrez. La princesse de mon pensier, donc manuel et classeur. Là c'est toutes mes anciennes partitions quand je faisais du piano. C'est mes fournitures scolaires quand j'en ai plus dans ma trousse. Là on a mon Insta Mini. Pour l'armoire c'est à mon arrière-arrière-grand-mère je crois. Dessus on a les fausses plantes Maison du Monde. Et mon chat s'est amusé à la bouffer, comme celle-ci d'ailleurs. Un cactus vivant. Un cactus complètement sec. Des livres. Elle vient de chez Ikea. Donc c'est une fausse plante tombante. J'aime trop, c'est vraiment ma préférée. On a une mouche ici présente qui me saoule. Sur ce pan de mur là, un petit sac Zara que j'ai accroché avec un petit clou. En fait c'était un cadeau, enfin j'avais trop aimé. Du coup je l'ai accroché, c'est pas grave. Du coup, oula. Et voilà, bon no comment. Allez, au revoir. Je pense que vous avez tout vu. Donc voilà, c'est tout pour mon petit room tour. Donc c'est pas tout le temps rangé et nickel. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, tout ça, tout ça. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.